Bonsoir tout le monde, ravi de vous rencontrer, de vous contacter et de communiquer. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement mes amis, mes collègues qui ont eu l'amabilité de partager mes connaissances et de m'avoir fait bénéficier de leur temps et de leurs conseils qui m'ont toujours été d'une aide précieuse. Aussi une mention toute particulière d'admiration et d'un grand respect à mes abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs, qui m'ont offert l'occasion de passer des petits moments avec eux au sein de connaissances et de sciences, et qui ont fait toujours preuve de compréhension, d'écoute, de conseil. Notre science, qu'on voit, va comporter l'accès d'études aux filières des établissements de l'Office professionnel de la promotion de l'emploi. Et précisément, on va parler en ce qui concerne la filière du technicien en coiffure et maquillage au cinéma. Technicien en coiffure et maquillage au cinéma. Ce technicien évalue et prévoit le temps nécessaire à la réalisation d'une coiffure ou d'un maquillage. Il est à pied d'œuvre pour répondre à toute situation en urgence et surveille la tenue de la coiffure ou du maquillage avant et pendant le spectacle. Il crée des effets spéciaux de maquillage en collaboration avec le technicien spécialisé en effets spéciaux, brûlures, blessures, visages et fantastiques. Et bien sûr, l'accès à cette filière exige des conditions d'admission comme l'âge qui ne va pas dépasser 30 ans, donc âge limite 30 ans, et ayant un niveau scolaire minimum requis, deuxième année baccalauréat, littéraire ou scientifique. Bien sûr, avec des qualités et des aptitudes que le candidat doit posséder, comme l'esprit d'équipe, l'autonomie, la conscience professionnelle, la créativité, la technicité, le sens de l'esthétique, passion de travail, disponibilité, l'initiative, le débrouillardise, la ténacité, la diplomatie ou encore l'écoute. Et encore un remplissage du dossier d'orientation avec un entretien exigé. Bien sûr, à l'issue de la formation, le lauréat sera en mesure d'exécuter les activités comme analyser la demande de la production, préparer et exécuter la coiffure, préparer et réaliser le maquillage, réaliser les effets spéciaux en maquillage, et dernièrement, nettoyer
les postes de travail et entretenir le matériel. Bien sûr, les débouchés professionnels, en fonction de leur potentiel et de leur expérience professionnelle acquise, ce technicien en coiffeur et maquillage au cinéma pourra évoluer vers la fonction de chef coiffeur ou chef maquilleur. Désormais, les établissements, le seul établissement qui offre ce genre de filière se trouve à Ouarzazate. Fin de séance. Je vous remercie encore une fois de m'avoir me soutenir, m'encourager et je recommande tout le monde de participer collectivement à la chaîne YouTube Tirazir Jaffar. Merci encore une fois. Bonne soirée. Au revoir.